Eh bien, nous allons célébrer une bonne spécialité gastronomique de Champagne. Champagne Ardennes. Et pour commencer, nous allons dans le fin fond des Ardennes pour déguster quoi donc ? La bonne galette. J'aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. J'aime la galette des rois. Puisque nous sommes dans ces bonnes Ardennes, nous n'allons pas les quitter de suite sans nous arrêter dans la ville de Rethel. Et pour y déguster quoi donc ? Le boudin blanc. J'aime le boudin blanc, et savez-vous comment ? Quand il est tout blond et tout bien craquant. J'aime le boudin blanc de Rethel. Et cette fois-ci, on va aller à l'autre bout de notre belle et grande province de Champagne, dans cette grande ville de Troyes, pour y déguster quoi donc ? La filandouillère. J'aime l'andouillette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite dans les restaurants. J'aime l'andouillette 3. Eh bien, je dois dire qu'on a bien mangé, mais on n'a encore rien bu. Et on a le feu au gargouillou, je vous raconte pas. Et pour arranger cette affaire-là, on va goûter mes quoi donc ? Un bon coup de champagne. J'aime le champagne, savez-vous comment ? Bien frais sur la table, c'est pas déplaisant. J'aime le champagne champenois. Eh ben ça va déjà beaucoup mieux là-dedans. Mais faudrait pas qu'on oublie nos ptios quand même, parce que nous on a bien mangé puis on a bien bu. Mais l'on s'est oublié, alors on va repasser par cette grande ville de Reims pour aller acheter quoi donc ? Des croquignoles ! J'aime les croquignoles, savez-vous comment ? Quand elles sont bien molles, jaunes, roses et blancs. J'aime les croquignoles de Reims. Alors cette fois-ci, tout le monde en a bu. Mais on a encore un petit peu le gosier en feu. Alors il va falloir arranger ça. Et pour arranger ça, rien de bon quoi donc ? Un bon vieux cool ratafia. J'aime le ratafia, et savez-vous comment ? Bien macéré avec de l'alcool dedans. J'aime le ratafia de chez moi.